Eh bien bonsoir à tous, bonjour à tous, pardon, c'est Xperion, aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous pouvez le voir, l'offre spéciale manquée de la Ren 7. Alors c'est un peu dommage que ce soit Ren 7, j'aurais préféré Ren 9. Mais bon, il y a 1200 gemmes, 10 000 d'or et un super coffre magique. Donc nous clairement c'est pour super coffre magique. Après l'or et les gemmes c'est très intéressant parce que 1200 gemmes ça permet d'ouvrir deux coffres légendaires et 10 000 d'or ça permet d'ouvrir un coffre épique, donc ça permettra de faire plus de pack opening. Donc on va tout de suite le prendre, de toute façon il me reste encore 10 sous. Alors ceci est fait, ça va relancer le jeu je pense, non même pas, ok, super coffre magique, c'est parti. 3577 d'or, c'est pas mal. 22 fournaises, ok ça commence très fort. Deux princes ténébreux, d'accord, ça pue un peu, c'est un peu bizarre. 23 boules de feu, ok. Là, il faudrait avoir toutes les communes. 400 gobelins lance, je pense que toutes les communes. 60 tours à bombes. Si là, on a toutes les épiques, on a une légendaire. Allez. Ah, 600 de rage. Ah, c'est bête. Il nous reste des épiques. J'espère qu'une tornade peut-être. Oh, de la sorcière. De la sorcière, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, très bon coffre, super coffre magique, pardon. J'aurais préféré avoir d'autres troupes que des gobelins lance, mais les gobelins lance sont très très bien. J'adore les gobelins lance, perso. Du coup, on se retrouve avec 2500 gemmes, je ne peux pas trop rien en faire. Bah sur ce, c'était la petite ouverture de super coffre magique. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour plus de pack opening. Adieu.